Salut, salut, salut tout le monde. Ça fait un bail que je ne vous ai plus parlé. En fait, j'espère que tout le monde va bien. Ça me fait déjà très plaisir d'être là pour vous faire un coucou. J'avais besoin de prendre un petit peu de temps aussi pour parler, pour penser à tous mes contenus, à tous mes sujets. Tout ce que j'ai envie de vous proposer, tout ce que j'ai envie d'apporter. Et donc, je pense que c'était un temps qui était nécessaire pour pouvoir voir un petit peu la suite de ma chaîne YouTube, de la suite de tout ce que je vous partage, quels sont les sujets qui sont importants à partager et tout ça. Enfin, voilà, il fallait faire un petit peu le point. Et puis, et c'est vrai aussi que, comme vous le savez, je ne suis pas une experte des réseaux sociaux et c'est vraiment pas évident. C'est vraiment pas évident de se lancer, de tenir le rythme. Il y a beaucoup de choses à faire, mais il faut penser tout le temps à publier du contenu. Et c'est pas simple, mais c'est un défi que je me suis lancé parce que le Seigneur m'a mis à cœur de le faire. Donc, du coup, je lâcherai pas, je continuerai. Et j'espère que mes vidéos vous apportent quelque chose aussi, parce qu'il a fallu aussi que je me pose la question, est-ce que mes vidéos apportent quelque chose à quelqu'un? C'est important que je parle pas pour rien. Donc voilà, là ça va être la reprise, la rentrée, ma rentrée bientôt, très très bientôt. pardon. Et on va continuer nos sujets habituels et puis essayer de pouvoir faire aussi différemment, à faire des lives pour que je sois plus proche de vous et aussi qu'il y ait un échange véritablement. Donc voilà, j'avais envie de vous dire que je suis toujours là et aussi de vous dire que tout va bien. Et le prochain sujet dont je vais vous parler, vraiment, c'est. J'ai envie de m'adresser aux personnes qui sont un petit peu, en tout cas, qui considèrent qu'elles sont déjà avancées en âge et qui ne voient pas le mariage arriver. Dans la prochaine vidéo, j'ai vraiment envie d'encourager quelqu'un ou quelqu'une qui passe par ce moment où on attend. On attend, on attend. Peut-être que vous avez, je ne sais pas moi, 30 ans, 35, 40, 45, 50, passé, peu importe. J'avais vraiment une pensée en fait pour tous les gens qui attendent le mariage et puis le bon. Qui attendent le bon mariage, donc la bonne personne pour se marier. C'est le sujet de la prochaine vidéo que je vais vous publier très 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 rapidement. Et j'aimerais aussi avoir vos réactions par rapport à ça. Je parlerai d'une histoire de quelqu'un que je connais et j'aurais vraiment besoin d'avoir vos avis, vos pensées, vos opinions par rapport à ce que je vais partager. Donc j'espère vraiment vos retours après cette vidéo et voilà. En tous les cas, j'espère que vous allez bien. Là, nous sommes au mois de septembre et il reste 4 mois avant la fin de cette année 2020. La première fois que je vous avais parlé, moi, vraiment, la toute première fois où je parle sur ma chaîne, sur ma page Facebook, c'était en janvier. Et je vous avais vraiment encouragé à démarrer quelque chose, à faire de cette année une bonne année, à ne pas juste dire bonne année, mais à en faire justement une bonne année, à démarrer ce que vous avez toujours eu envie de démarrer, à lancer quelque chose, à innover, à faire en fait ce que vous avez envie de faire parce que la vie passe très très vite, elle est courte et vous avez besoin de commencer à faire ce que vous avez envie de faire. N'attendez pas demain, c'est aujourd'hui que ça se passe. Alors j'avais aussi envie de vous pousser et de vous demander qu'est-ce que vous avez commencé?
Qu'est-ce que vous avez lancé? Est-ce que c'était votre entreprise, votre business, des cours que vous avez commencé? Voilà, il faut arrêter de procrastiner, il faut arrêter de croire que tout se passe demain, parce qu'en fait, tout se passe aujourd'hui. La réalisation de vos rêves, de vos projets, ça se passe aujourd'hui. Et en réalité, ça se passe tous les jours. Donc en principe, un jour ne doit pas passer sans que vous soyez en train de faire quelque chose pour votre lendemain, pour le lendemain, peut-être que vous avez un plan de maison que vous voulez bâtir pour votre famille, pour vos enfants, j'en sais rien. Et c'est aujourd'hui que ça se passe. Allez sur Internet, faites vos recherches et commencez, démarrez. Apprenez à tricoter, je ne sais pas, apprenez à coudre, voilà, apprenez à chanter, apprenez à faire de la guitare, voilà, programmez un voyage, voilà, faites ce qu'il faut faire. Donc voilà, c'est le début de la journée et mes yeux sont encore fatigués, mais il faut bien avancer dans la journée. Alors je vous souhaite une excellente journée. J'espère en tout cas que de votre côté tout va bien. Et si tout ne va pas bien, prenez courage parce que ça ne sera pas comme ça tout le temps. Ça ne durera pas éternellement. Ça finira bien par changer. Donc prenez courage et portez-vous bien. Alors je vous dis à très 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 vite. Ça a été vraiment un plaisir pour moi de vous retrouver parce que ça faisait trop longtemps. Voilà, je vous fais de gros bisous. Bye bye.